Comme je l'ai dit, ce programme, il s'agit de Amos. Jamais on ne peut pas aller loin si on ne fait pas quelque chose pour quelqu'un. Et comme le dit notre devise, nous servons, nous nous mettons à la disposition de nos populations. Et pour le cas échéant, nous pensons que nous devons nous souder les mains. Nous devons nous mobiliser davantage pour que l'albinisme ne soit plus ce qui a posé un problème pour l'épanouissement de ces enfants, ces jeunes, ces personnes âgées. Et que c'est avec le concours de toute la population, de toute la bonne volonté que nous y arriverons. Au Lions Club, nous ferons ce que nous pouvons, car là où il y a un besoin, il y aura toujours un lion. Merci. Merci. Et merci à M. le gouverneur. Il nous a accompagné depuis la GISA jusqu'au Zoudou. Et aujourd'hui, je dis merci à la clinique qui nous reçoit aujourd'hui et avec le responsable du docteur King. Et merci au maire de la commune de Dingerville. Vraiment, je pense que les uns et les autres ont tout dit. Et moi, je ne vais pas essayer d'être long. Et je dis merci à tous ceux qui ont œuvré pour la bonne marche de cette activité. Et vraiment, aujourd'hui, moi, les mots me manquent parce que il y a beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui. Et nous prions Dieu, que Dieu nous accompagne et qu'il nous mette sur le droit chemin et que vraiment nous puissions avoir les bonnes mains pour accompagner les personnes atteintes d'alcoolisme qui souffrent énormément depuis un certain nombre de temps. Je pense que nous sommes en train de partir. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on peut dire que la Côte d'Ivoire fait partie du. Est le seul pays aujourd'hui qui, dont les albinos sont un peu dans les conditions, à 80% dans les conditions un peu favorables. À 80% sur 70%. Donc vraiment, je vous remercie. Merci à tout le monde. Alors nous voulons déjà dire merci. Dis merci à monsieur le gouverneur, dis merci à toutes les associations d'Albinos, dis merci au Lions Club, dis merci au laboratoire Épicent qui a même donné des médicaments ophtalmo gratuitement. Et dis que c'est une action qui nous va droit au cœur, nous en tant que ONG, et nous voulons que cela puisse rester en permanence. Nous souhaiterons que chaque année, qu'il puisse avoir cette séance de consultation gratuite pour nos frères albinos. Et au-delà de la consultation, que toutes les personnes engagées, toutes les personnes philanthropes qui sont philanthropes, puissent donner de leurs moyens, que nous puissions aller au-delà de la simple consultation, la prise en charge complète de nos albinos. Ils l'ont signifié, les paires de lunettes coûtent cher, les interventions chirurgicales coûtent cher, mais avec le soutien de chacun de nous, nous pouvons les aider au-delà de leurs attentes. Donc merci à monsieur le gouverneur Vincent Toby, merci au Lions Club Passen, merci au laboratoire Épicent et merci à tous les partenaires qui ont bien voulu accompagner cette activité. Ce que vous voyez là, c'est un appel à la solidarité, à l'aide. Nous croyons que lorsqu'il y a des exclus, des marginalisés, des personnes vulnérables dans une communauté, ce sont des causes de conflits. Or, Home Nouvelle s'est engagé dans les actions contre les conflits. Et nous pensons également que par des actions citoyennes telles que celles-là, de prendre le temps pour penser aux autres, pour travailler pour les autres, de promouvoir les autres, c'est aussi une action citoyenne. C'est comme ça qu'on bâtit une communauté forte. Et nous voudrons dire merci au député maire de la commune de Bergerville qui a donné tous ses équipements. Comme vous voyez, il est en congé, il n'a pas pu être présent, mais il suit cette activité. Nous disons merci à PAMSI, représenté ici par le docteur King, dont la structure nous accueille et qui a fait toutes ces consultations. Nous disons merci à toutes les plateformes d'Albinos, coordonnées par M. Diabaté, mais également à leurs sages, leurs membres et le doyen ici présent. Pardon. Nous disons merci bien sûr à Lions Club qui spontanément s'est joint à cette opération, mais qui le fait déjà depuis très longtemps et qui aujourd'hui vient apporter sa caution et sa force. Je vais finir par lancer un appel à la solidarité. Il y a des témoignages qui fendent le cœur. Il y a ici quelqu'un qui est atteint de cancer de la peau, qui a besoin de 1 200 000 francs pour un traitement. Il y a une jeune fille
qui, donc vous savez que les adultes ont un problème de vue, d'acuité visuelle. Elle a dû quitter l'école. Il y a des enfants aujourd'hui qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils ont un problème d'acuité visuelle. Nous lançons un appel à un peu plus de considération pour ces personnes, mais d'aide également. Si quelqu'un peut donner 1000 francs, 2000 pour aider un des enfants directement à une famille, si quelqu'un peut prendre en charge une famille par des petits gestes, on serait vraiment heureux. C'est un appel à la solidarité, c'est un appel à l'action. Donnons un peu pour les autres. Ne vivons pas que pour nous seuls. Apprenons à aider les autres, à partager les grâces que Dieu nous a faites. Apprenons à partager ces grâces avec les autres. Et je souhaiterais que demain, on ait des manifestations de solidarité de tous ceux qui sont sensibles à la cause, non seulement des personnes handicapées, et de toutes les personnes qui vivent avec un certain handicap qui les empêche d'avoir une bonne insertion sociale. Merci beaucoup.